C'est à peu près le même système, les amis. À peu près le même système. Parce que là, je suis sur un pavillon que j'ai fait une troisième. Ça, c'est la troisième barre de douche que je pose de Sancia. C'est des barres de douche stylées, magnifiques, trop trop belles. Trop trop belles. Franchement, génial, les amis. Regardez pas mes mains parce que là, j'ai des mains déchirées. En ce moment, je travaille tellement dans la poussière. Donc, voilà, avec ce petit vis-là, je vais dévisser, je vais retirer cette cache-là. Enfin, pas la cache, je vais retirer une espèce de rondelle en plastique qui va être fissurée sur la frise. La frise, c'est la mosaïque. Et une partie va être fixée sur la mosaïque et l'autre partie à cet endroit-là. Parce que les ex-plombiers qu'ils ont reçus, au lieu de mettre à l'axe, le mitigeur, ils ont mis sur le côté. Donc, ce qui fait que les amis, je suis obligé de mettre mon mitigeur à l'axe, enfin ma barre de douche à l'axe de mitigeur, qui va venir à peu près à cet endroit-là. Ça, c'est le premier. Deuxième fixation, ce sera à cet endroit-là. Ça, c'est la fixation qui va venir à cet endroit-là. Voilà, ça, c'est une fixation. Par contre, celle-là, elle est spéciale, elle n'a pas de clé Allen, donc tout est en plastique. Il suffit juste de fixer ça. Fixer ça, et puis après, une fois que tout est emboîté, il suffit juste de la clipser à l'intérieur et clic, bon, bon, c'est fait. Donc, qu'est-ce qui contient la petite boîte numéro 4? Donc, ici. On a le support de la pompe et la barre de enfin, ce qui vient se fixer sur la barre de douche. Donc pas mal comme fixation. C'est plutôt un réglage là. Voilà. Donc le réglage de la pompe de douche, c'est fait. Bon, il y a juste à clipser là-dedans. Et là après on a HIN sur le HIN. Ça c'est Rain Shower, voilà, qui vient avec. Waouh, génial. Alors. Franchement, magnifique. Donc, j'ai deux flexibles. Un flexible qui se branche sur le mitigeur qui vient se raccorder ici, là. Alors, la sortie mitigeur, elle vient se raccorder là. Non, là, plutôt, voilà. Et ça, c'est la partie qui va être vers le mur. Donc ici, on a sortie d'eau dans cette petite partie de... là où on peut choisir le rain shower ou bien la pompe de douche. Ça, cette partie-là, elle va sortir, elle va aller se raccorder. Une partie, elle va être fixée sur ça. Une partie, elle va donner sur la pompe de douche. La pompe de douche qu'on pourra le choisir nous-mêmes par ces deux boutons là. Alors, ce qui est bien sur cette rain shower là, franchement, c'est un ferraille idéalès. Ferraille, voilà. Ils ont livré ça avec. Alors, ça, c'est des. Comment on dirait ça? C'est des distributeurs d'eau. Non, qui viennent. Un caoutchouc qui vient se clipser directement à l'intérieur. S'il y en a un qui a démarché ou vous voulez le remplacer, vous avez le choix. J'ai au moins 6 pièces là qui sont venues avec. Donc c'est parti la pose. Donc là, la première chose pour fixer ça, je suis obligé de dévisser là avec la clé Allen qui se trouve juste là. Voilà. Je retire cette partie-là que je le fixe d'abord sur le mur au niveau de la mosaïque et après je vais la fixer au-dessus. Et là, vous voyez les amis, là j'ai un petit clip. Donc celle-là, elle vient se raccorder avec un peu de graisse. Il faut mettre un peu de graisse ou liquide vaisselle ou ce que vous voulez pour que ça glisse. Il suffit juste le clipser et c'est parti. Donc ça, je vais me fixer. Voilà. Génial. Donc ça, je vais la fixer sur le mur. Après, une fois que ça s'est fixé dans ce sens-là, il suffit juste de mettre
Le distributeur, je peux dire ça, ou vous dites le mélangeur, ou vous dites contrôleur, juste au-dessus, et il faut le serrer avec la clé Allen. C'est parti les amis, on va la tracer et on va la percer à l'axe. Ça dépasse donc le reste de plus. Ça, je peux la couper. Comme ça, moi, ça me gêne pas. Voilà. Donc, les amis, une fois fixé le support, il suffit juste de poser au-dessus et de serrer avec la clé Allen par le bas. J'espère que vous le voyez. Génial. J'ai même pas la visibilité 100%. Et il faut absolument qu'il soit fait. Et ça, cette partie, elle est fixée. J'ai tracé en haut un tout petit trait que vous voyez. Là, il faut que je fasse une fixation pour celui-là. Voilà. Je vais fixer cette partie-là. Après, une fois que c'est fixé, et après, je vais le mettre comme ça. Ou bien, je dois faire plutôt ça. Comme ça, je vais le fixer dans ce sens-là. Là, c'est emboîté. Voilà. À l'intérieur, vous avez un petit clip qui vient s'emboîter par rapport au réglage de barre de douche. Donc, barre de douche, on peut le monter et descendre. Mais une fois qu'elle est serrée dans cette fixation-là, là, on ne peut pas parce que là, ça va être fixé. Donc, du coup, les amis, toute cette partie-là, c'est fixé. Maintenant, il reste juste ça à faire. À clipser ici. Voilà. Attention, je le tiens. Hop là. Ça tourne un petit peu. Ça va, c'est jouable. Et là, en haut, il faut juste que je le monte un tout petit peu. Et... c'est fait, voilà les amis, c'est clipsé. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, les clips, ils sont aussi à leur endroit correctement. Donc, là, la barre de douche, elle est fixée. Génial. Donc, deux systèmes, comme je vous ai dit. Rain shower et la pompe de douche. Donc là, on va faire l'abranchement. Alors, par rapport au branchement, comme je vous ai dit, la sortie de mitigeur, elle va venir se raccorder là. Et ça va être la partie qui va se raccorder avec la pompe de douche. C'est parti. C'est fait comme je vous ai expliqué, les amis. Donc, dans les dernières étapes. Alors ici, ils ont fait 3 salles de bain. Sincèrement, ils ont dépensé énormément de l'argent. Énormément de foulous. Franchement, ils ont mis des trucs de chez Deluxe là. Donc là, il se fait juste le raccorder ici. Voilà. Donc une fois tout raccordé, il n'y a plus qu'à mettre le rain shower et on fait un essai d'eau. Par rapport au rain shower, les petits morceaux, les distributeurs de caoutchouc qui viennent, ça je vais le laisser coller en haut. Comme il n'y aura pas d'eau, ça j'aime pas de les laisser en haut parce que on sait jamais si demain ils veulent faire un truc, au moins ils ont ce qu'il faut. Faut aller tranquillo, pas être trop stressé, trop pressé, sinon ça risquera de bouger. Donc là, je pense que j'ai plus qu'à tourner légèrement, il faut juste faire le réglage. Et c'est presque fini, les amis. Les amis, du coup, comme leur salle de bain, ils ont mis les mosaïques noires. Donc, ils ont choisi porte-serviette noire, porte-savon. Bon, ils n'avaient pas de choix. Le poussoir de bâtisseur support noir. Et le petit porte-serviette par rapport à lavage des mains. Et porte-papier toilette aussi. Bref. Donc, malheureusement, ils n'ont pas trouvé le mitigeur couleur noire. Sinon, ils auraient pris. Donc,
faire un test. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va sortir? Voilà. Là, ça s'agit que le surveilleur. Donc, ça va. Génial. Et là, on va tourner la poignée. Logiquement, c'est la wrench hour qui doit couler. Génial. Donc, tout il fonctionne correctement, les amis. Alors.